Allez, on va voir l'histoire d'une marque de guitare française, c'est la marque Lag. Donc on va parler de sa création, donc ça date de 1978, ça commence à un petit peu à compter. Donc c'est un musicien de rock progressif du nom de Michel Chavaria, qui était guitariste, chanteur et compositeur d'un groupe toulousain qui s'appelait Madrigal, il me semble. Donc à ce moment-là, il décide avec un ami à lui, c'est Daniel Dufour, il me semble, de créer un atelier de lutherie. Alors, on est vraiment à la genèse. Hein. Donc, l'atelier est alors créé au 15 rue Lagane à Toulouse. Donc, on se rapproche de la marque Lag. Hein. Et Lag est le nom de jeune fille de la mère de Michel Chavaria. Ok. Donc, peu à peu, ben, il commence à créer des modèles. Les esquisses des premières Lag, en fait. Puis en 1981, il crée quelques guitares en nombre très limité. Voilà déjà dans un premier temps. Donc ici, on est sur encore le modèle, la création de modèle Made in France, puisque c'est une Lag Made in Bédarieux. Vous verrez, on verra plus tard. C'est une Lag Arcane Master 2000. Donc. Pour expliquer un petit peu, c'est presque le haut de gamme de cette époque-là. Donc, son numéro de série, c'est 1006W0065. Donc, je ne saurais pas trop déterminer la date, mais il me semble que c'est une guitare qui date de 2006. Je peux me tromper, ceux qui ont de plus amples informations... N'hésitez pas en commentaire, vous mettez vos avis, je les prends volontiers. Donc pour information, je suis vraiment fan de cette marque de guitare. J'en ai quelques-unes. Donc là, je vous montre ce modèle aux finitions impeccables. Donc il existe un modèle Lag Arcane 2000 avec vibrato fleur rose. Donc ça, c'est une guitare que j'ai trouvée sur le Bon Coin, totalement délabrée, avec des pseudos... micro actif complètement débranché, donc je l'ai remonté en actif avec il me semble un DiMarzio PAF Pro en aigu et Liquid Fire, je crois, en aigu, pardon, et PAF Pro en grave. Le micro central, c'est il est fictif parce que je m'en sers pas, mais je mettrai quelque chose de plus important dans un avenir proche. Donc c'est une guitare 24 frettes taillées pour le gros son, quoi. Et la lutherie, elle est impeccable. Voilà pour cette première partie. Allez, on présente cette deuxième guitare. Donc, modèle The Best. Toujours fabrication française, Madine Bédarieux, comme ils appelaient. Donc, on est vraiment dans l'excellente lutherie. Ce modèle était assez publicité. Sa concurrente de la marque, c'était la Rockline, il me semble. À l'époque, moi j'avais opté pour cette guitare qui date de, en gros, il me semble 1991 ou 92, un truc comme ça. Je sais plus, je pourrais pas la dater. Je répète encore, sur les forums, j'ai pas trouvé grand chose, mais s'il y a des gens qui ont des explications, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc on continue un petit peu l'historique de cette marque française. Donc, des musiciens locaux... puis quelques grands musiciens sont venus à cette marque. Donc les plus connus, il y a eu Renaud apparemment. Moi j'ai jamais vu Renaud avec une Lag, mais enfin Renaud, Cliff Williams, le guitariste de Motorhead, il me semble. Non, le bassiste d'ACDC, je vous dis une connerie. C'était Phil Campbell plutôt. Guitariste de Motorhead qui prenait ses guitares. Donc et d'ailleurs il avait un modèle signature, il me semble.
Donc le développement de cette marque, ben, l'atelier des débuts devient alors insuffisant à l'entreprise. Et en 1983, elle déménage car les guitares commencent à se vendre et de façon importante et surtout à l'étranger. J'ai le souvenir de voir Jean-Jacques Goldman jouer sur des lags aussi, les premières, Michael Jones aussi, Kezia Jones et apparemment Neil Diamond, et comme je le répétais aussi, Phil Campbell de Motorhead. En 92, nouveau déménagement, et c'est à Bédarieux, dans l'Hérault, que voit le jour la nouvelle usine. Voilà pour son développement, voilà. Donc le modèle The Best était décliné dans plusieurs modèles. Hein. Il y avait un simple bobinage, double en haut. Moi j'ai opté pour une finition autre que celle-là. Moi j'ai opté pour celle-là qui était naturelle et qui est super belle. Donc peut-être qu'à la vidéo on ne voit pas la beauté du bois. La particularité, c'est qu'on a des touches scalopées au dernier. Allez, on passe à un autre type de guitare lag. Donc c'est toujours des arcanes, mais on rentre dans la production asiatique. Donc normalement au départ elle est équipée de micro EMG HZ. Donc pour l'instant elle équipe le modèle chevalier. Mais j'ai mis Andy Marzio, alors je ne me peux plus la référence, à haut niveau de sortie. Parce que les micros, c'est des micros d'origine chinoise, il me semble, et c'est pas éventuellement le super son. Donc là on rentre une période où en 2002 en gros, hein, Lag est racheté par la société Algam, c'est le premier distributeur européen, et dans ce coup Lag acquiert une dimension vraiment internationale. Donc les modèles de moindre coût et d'entrée de gamme seront réalisés en Chine et milieu de gamme en Corée. Donc je précise que là c'est l'arcane de sang, ça vient de Chine. Je pense que les Arcane 500 et les Roxanne 500, tout ça, c'est la Corée. Au-dessus, c'est toujours en France, Bédarieux. Donc, on commence un petit peu à rentrer malheureusement dans le déclin de la marque. Puisque vous verrez, son avenir, au niveau des guitares électriques, il commence à s'assombrir. Voilà pour cette guitare, donc Floyd Rose spécial, hein, c'est pas Floyd Rose le 1000, hein, comme on dit, à bord à l'usure, parce que c'est pas des aciers super costauds, donc on est dans le milieu de gamme, hein. Donc, mais le design de la guitare est parfait, hein, donc trois positions. Un push-pull pour désigner des fréquences, hein. Pas pour splitter les bobines, moi je m'en sers jamais, c'est à mon avis un petit peu inutile. Voilà pour cette guitare. Allez, autre type d'arcane, donc c'est l'arcane 100, et là on rentre vraiment dans l'entrée de gamme, hein. Je sais qu'il y en a, il y a des gammes en dessous, donc là pour l'instant celle-là c'est une Arcane 100, donc d'origine micro d'incandésine, pareil, je les ai virées, j'ai mis PAF Pro et le micro de Joe Satriani en aigu. Donc là on y à la fin de la production, parce que en fait en 2013
On lance les guitares acoustiques Occitania, vous verrez, je vous en présenterai une. Mais le fondateur Michel Chevaria, ben, il semble plus faire partie de la société. Ça me désole un peu parce que je l'ai rencontré plusieurs fois et c'était quelqu'un de très sympathique. J'ai pu discuter avec lui de ses guitares, en lui exprimant que c'était vraiment de la bonne guitare. À l'époque, j'en avais que deux. C'était celle que je vous ai présentée en premier, la 2000 et la The Best. Ce qui semble entériner vraiment une rupture avec le passé de la marque. Voilà. Donc, la Garcan 100, on est dans la simplicité, mais efficace. C'est une guitare qui avoisine les... Je crois qu'elle est plus faite d'ailleurs. Les 200 euros à peu près, si je ne m'abuse. Bon, moi, je fais quelques modifs. Je refais toute l'électronique parce que je sais un peu. Blindage des cavités et ainsi de suite. Rajout de petits pointés, mieux que ce qu'il y a d'origine. On est dans le déclin de la marque, malheureusement. Vous pouvez voir sur sur le YouTube, hein, différents avis sur les guitares LAG. Il y en a qui disent que la qualité se dégradait, malheureusement. Alors, on est à la fin de la marque. Hein. Donc ces guitares, elles sont lancées en 2013, si je me rappelle bien, décrit en plusieurs modèles, donc corde acier, corde nylon. Donc ça, c'est le modèle Tramontane. Ils appellent ça T98 PE. C'est en gros une parlor électroacoustique avec un préampli, accordeur et un manche super intéressant. Donc, comme les parlors, on s'arrête en gros à la 15e case, hein, à quelque chose près, on ne peut pas aller plus loin. La tête LAG, super bonne petite guitare. Donc, là j'étais sur le préampli en phase. Là je suis en son normal. Donc il y a plusieurs modèles, je le rappelle, hein, c'est corde acoustique, moi, corde nylon, corde acier. J'en ai essayé des cordes nylon, le manche est sympathique, après c'est corde nylon, il faut savoir ce qu'on veut faire. Voilà pour ce type de guitare. Je vous ai...